Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en compagnie de Cédric. Salut Cédric. Salut. Pour une petite carrière suivie sur Edelbar ou Edelbar ou Edelbatch. Vous le dites comme vous voulez, hein. C'est encore un truc allemand, ça. Du coup, on va jouer, je pense que tous les deux, peut-être tous les trois, peut-être tous les quatre, je sais pas. Peut-être s'il y a des membres de la team qui veulent jouer, chacun notre ferme. Un peu comme on l'avait fait pour le moulin du Midland. Sauf que moi, chercher un endroit en fait sur la map où je pouvais un peu créer mon corps de ferme. Parce que j'ai envie de créer mon petit corps de ferme. Alors, il y avait plusieurs fermes de créer sur la map en arrivant. Et ces corps de ferme avaient tous 2,5 millions chacun. Okay, voilà. Donc nous on aura supprimé tous les trucs et puis on a mis moi j'ai mis chez moi, c'est lui qui a mis chez lui, et puis après celui qui voudra créer des fermes pourra créer des fermes. Quand on regarde la gueule de la map, il y a quand même de quoi faire. C'est pour ça au début on s'est dit que si on était que deux, bah du coup ça ne va à rien d'aller sur une grande. Valait mieux trouver une assez potable. On n'a pas mis le mode saison non plus parce que moi j'ai des horaires de tournage pour les abonnés dans vous et moi version ETA, et du coup bah, j'ai pas envie de bloquer les autres, donc du coup je me dis bon bah tant pis, on va être obligé de faire une série sans mode saison. On va essayer de jouer un petit peu avec le plus possible de modes pour essayer de se remettre dans le bain. Voilà pourquoi je veux lancer cette série, c'est pour se remettre dans le bain, puisque très prochainement on va devoir tester Breath My Folly à fond pour pouvoir vous la procurer, bah, pour que vous puissiez l'avoir en DL. Mais pour que vous puissiez l'avoir en DL, il faudra qu'elle soit testée dans le moindre centime mètre carré de la map et que tout fonctionne, que les silos fonctionnent, que toutes les inventions débiles que j'ai pu demander à Titi de réaliser sur cette map fonctionnent. Parce que croyez-moi que quand vous allez voir ce que je lui ai demandé de faire, c'était vraiment pas facile. Quand on va devoir tester ça, je suis pas sûr que ça va marcher du premier coup. Bref, Cédric, lui, si on regarde, si on fait ça, si on fait X, il a acheté ce corps de ferme là, ce corps de ferme là, et je vois que tu as déjà acheté le champ 112. Hein. N'oublie pas qu'on n'a pas Ouais. de matos, hein. On a peut-être 2,5 millions, mais il n'y a pas de matos. Hein. Oh bah je vais acheter là. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, du coup, ouais, c'est. Moi, je vais acheter. Alors, du coup, c'est parti, les gens. Ah, le magasin par contre il est très petit. Alors, est-ce que tu as vérifié un truc? Dis-moi. Est-ce que tu as vérifié que maintenant on pouvait acheter les animaux maintenant qu'on avait acheté le corps de ferme? Pas du tout, attends. Tu fais Oui, on peur. peut. Attends, je Donc, regarde si moi j'ai le trigger chez moi. moi je suis content, c'est les cochons. C'est ce que j'espérais. Tu vois, je voulais pas des vaches, je voulais les cochons parce que le bâtiment des vaches, j'en avais un. Donc j'ai des poules et tout, mec. C'est nickel. Donc les modes qu'on va utiliser, c'est moi je vais utiliser beaucoup de plaçables, hein, parce que voilà. Et je vais utiliser ça parce que celui-là, quand je l'ai vu la première fois, mais je t'aime. Ce bâtiment-là, c'est plutôt cool. Voilà. Et pour mon bâtiment à vaches, je voulais vraiment celui-là. Donc j'ai regardé un petit peu. J'espérais que c'était les cochons, mais je pouvais pas avoir accès tant que j'avais pas tourné le début de la vidéo. Je ne pouvais pas avoir accès à savoir ce qu'il y avait dedans, en fait. Voilà. Il y a un truc qui est bizarre, c'est que moi j'ai pas de trigger à ma stabule. Ah, elle est devant la porte. Tu veux que je vienne voir? Je peux peut-être me TP à toi parce que on a mis le no rendre visite. Bah Ah tu sais. oui, là, elle est là, la tabule, mec. Elle est là où je suis. Et du coup, ça doit être. Moi, je dirais que ce serait ici. Non? Ah oui, ouais, Voilà. mais c'est parce que je le voyais pas au sol en fait. Ok, Ok. ok, ok. Je croyais qu'il y avait, tu sais, les bandes là. Ah non, 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 du tout. Il n'y a pas les bandes. Non, non. Moi aussi. Je sais, je découvre farming, hein. Faut pas m'en vouloir. Est-ce que c'est un bouton pour interagir? Oui, c'est un bouton pour interagir, mais où? À l'intérieur ici. Ok. Mais il n'y a pas les lampes rouges, hein? Ah, dommage. Ok. Bon, moi j'ai un bâtiment à cochon, je suis trop content. C'est exactement ce que j'espérais. Je vais pas acheter de cochon tout de suite, mais voilà. Bon, on finit nos petits achats, hein, pour ce premier épisode. Du coup, ici, technique, moi, ce que je vais faire, parce que voilà, hein, je vais acheter celui-ci, parce que je vais le produire. Il faut que j'achète intelligemment. Faut que j'achète intelligemment, j'y vais intelligemment, t'as dit. Ici, j'ai du tournesol. Ici, j'ai de la voile, du tournesol. Faut que ça reste à la moissonneuse. Faut pas que je sois trop con. Et du soja. Genre, par contre, on se donne un truc où on doit acheter des champs un peu plusieurs toits, tu vois. On n'achète pas que des champs chez nous, tu vois. C'est ce que je veux dire? Pour le moment, on n'a pas le choix parce que voilà. Mais voilà quoi. Ici, il y a quoi? C'est des pommes de terre. Fais pas le con. Je vais acheter le champ de tournesol. Oui. Je vais acheter. Je vais acheter le 137 aussi. Je sais pas s'il y a une route avant. Attends, je vais aller voir. Parce que s'il n'y a pas de route, je pourrais les relier plus tard. Ah, mais il y a un arbre. Oh bon, tronçonneux, ça coûte que dalle. Hein. Attention, madame. Aitakia. Oh, parfait. Vas-y, bah, j'achète les deux champs là. Je sais pas si l'arbre là, on peut le couper ou pas.
Si on peut pas le couper, c'est pas grave, ça fera un arbre autour du champ, c'est pas grave. Ok, donc ce champ-là, je peux le mettre avec l'autre. Donc déjà, je suis gagnant. Ah ouais. Donc, ce que je vais faire, je vais acheter ce chalet. J'achète un intelligemment. Acheter un intelligemment, j'ai dit, c'est bien ça. Voilà. Et je pense que là, pour l'instant, c'est déjà pas mal. Parce que il y a la moissonneuse. On laisse en x5. Hein. Par contre, les trucs des véhicules, j'ai pas fait les réglages. Démarrage automatique, non. Croissance des cultures, on laisse standard. Fenaison, on laisse. Destruction des cultures, on laisse. Labourage périodique, on laisse. Les ouvriers peuvent acheter, ouais, s'ils veulent. Mauvaise herbe, oui. Consommation de machin, on a un mode pour ça. Difficulté économique. Est-ce que tu veux laisser en normal ou tu veux mettre plus difficile un peu? Genre, voyons voir les prix, 500 balles. Ouais, c'est pas mal quand même. 500 balles le blé au lieu de 250 balles. T'as laissé le manuel? Ouais. Ouais, j'ai laissé manuel attaching et tout. Genre, je faut pas qu'on se mette trop de pression à vouloir faire de. Comment on appelle ça? Du. À vouloir faire du. Comment on appelle trop réaliste, parce que sur Braise ma folie, quand on va tester réaliste. Parce qu'on a tous les calculs à faire des. On a tous les calculs, tu sais, genre combien il faut Ah ouais. de. Combien il faut de d'abeilles dans une ruche, tu vois? Donc du coup. D'ailleurs j'ai regardé. J'ai regardé au fait, mec. Ah oui? Ouais, alors faut savoir que il y a 10 000 tout le temps. 10 000 ruches. 10 000 abeilles. Mais arrivé au mois de mars, il y a une montée, il y a une courbe qui se fait où ils augmentent et ils peuvent atteindre les 60 000. Oui. Ouais. Donc bon. Tu penses bien qu'on va pas mettre 60 000 litres d'abeilles de machin d'abeilles. Je sais pas comment on va faire ça sinon, tu vois. Donc je sais pas comment on fera notre calcul. Donc on aura un calcul à faire. Je vous dis ça, c'est parce que sur la Braise ma folie, il y a des ruches, comme ceci. Puisque c'est ce mode-là, de toute façon. C'est celui-ci, il y a des ruches qui seront placées, qui sont déjà placées dans la map, en fait. Voilà. On a laissé les crédits à Global Company, hein, bien sûr, mais ils sont déjà placés. Et ce mode, en fait, c'est des ruches, vous posez, et ensuite, vous avez le seau, il y a ça, il y a plein de petits trucs à prendre, qui sont plutôt pas mal. C'est pour ça qu'ils sont sur le serveur, d'ailleurs, parce qu'on doit les tester, on a pris quelques arbres, histoire d'eux, voilà. Alors, moi, je serais tenté d'acheter ce champ d'herbe qui est derrière chez moi aussi, parce que voilà, il est derrière chez moi. Et après, on achètera des outils. Donc, j'achète le champ d'herbe, parce que c'est ici que je pourrais placer des machins. Ah, très bien, je reçois. Les messages en pleine vidéo. Tu tais-toi, non mais ça va pas ou quoi? Je te vois passer vers chez moi là. T'es avec quoi? Une petite classe. Ah ouais. Ok. Alors je sais pas où tu. La 580. Ah ouais, avec truc repliable et tout. Ok. Alors tu sais qu'après on peut peut-être se prêter des outils. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On peut peut-être se prêter des outils, une sorte de. Même si on n'est pas vraiment un gaec, mais je sais pas si on peut dire un gaec, parce que nous, tu sais, dans ma région, il y a des agriculteurs, en fait, qui s'entraident pour acheter des outils. Genre, nous, on avait une dédrageonneuse, et ben, on l'avait achetée à 3, tu vois. Bon, après, on a racheté les parts, et on l'a gardée pour nous, parce que, tu vois, des fois, c'est sûr que ça problème quand on a besoin, l'autre, il en a besoin, ou des fois, il vient te la ramener quand il pleut, quoi. Bon, tu vois. C'est un peu Ouais, non, mais c'est vrai, c'est comme ça. Après, bon, voilà, c'est des petites tensions qui se font de temps en temps, tu vois, et voilà. Et les planteuses, c'est pas grave. Une planteuse, ça vaut 25 000 balles. Entre 20 et 25 000 balles, une planteuse. Et donc, du coup, bah, on l'achète des fois à deux. Mais le truc, c'est que, bah, ouais, si Pierre en a besoin et ou toi, t'en as besoin, juste parce que ce jour-là, t'avais 4 personnes et demain, t'as personne, et que Ouais, c'est lui, c'est ça. pareil, et ben, du coup, c'est un peu la merde. Voilà. Donc. Ben, c'est un peu enfin, tu me dis si je me trompe, c'est un peu comme les Kuma, quoi. C'est ça, non? Ouais, non, l'écuma c'est différent, c'est une adhésion en fait. Alors, nouveau Valtra qui est sorti, le G, je sais pas si tu l'as vu, je l'ai mis sur le serveur. C'est le nouveau Valtra que. Voilà. Alors, ça vous donne le nouveau Valtra que. Alors, attendez, est-ce que je peux l'avoir en blanc? Voilà. Voilà le nouveau joujou que mon ancien patron va avoir, normalement, si je dis pas de conneries. Voilà. S'il achète. Puisque c'était celui-là qu'on attendait. Ah, vraiment une belle bête. Hein. Voilà. J'ai hâte de le voir arriver dans la cour. Donc voilà. Et d'ailleurs, j'avais dit que ce serait sûrement un A. Et en fait, la surprise générale, c'était un G. Voilà. Trop cool. Trop cool. Alors, regarde bien parce qu'on a des mods. Genre, on a un 1455 gars. Tu sais, c'est celui qu'ils avaient, les autres, là. Ouais. Du coup, moi, je le prends sûr. Bah, il va terminer à la ferme aussi, hein. Ça c'est quoi ça? Ah oui, je vais le mettre en.
Oh oui, il est bien chaussé. Ah oui, bah merci à eux. Par contre, je sais pas si le mettre avec un relevage avant, je le trouve tellement pourri le relevage avant dessus. Je sais pas. Ouais, je sais pas, ça fait pas 14,55 un relevage genre quoi. Ouais, c'est vrai. On dirait un truc rajouté après, plus tard, tu vois. Système, ça, je veux bien comme ça. Chargeuse avant, non. Deux gyrophares, please. Très important. Et pot d'échappement en inox, bien sûr. Ouais, là, il est sympa. Donc là, je fais acheter. J'en ai pour combien, là? Parce que moi, je regarde pas la dépense, mec. Alors, je vais regarder. Il me reste 2 millions, mec. Il me reste Le 2 millions. tracteur va lui coûter le prix de la moissonneuse. Mais après, par contre, en remorque, en benne, franchement, j'ai pas mis de benne, mec. Il y a les remorques, c'est pas ça, quoi. Donc, moi, je jouerai avec les remorques que j'ai toujours jouées. La Josquin. C'est la remorque. Bah moi j'aime bien la Josquin donc. 1700 balles pour mettre des Michelin. Ah, ouais, d'accord, okay, bah, c'est très bien, ça va rester en Trelleborg. C'est très Trelleborg. Après, peut-être que la. Après, peut-être que. Ouais. La Dangreville, les trois essieux, est trop grosse. Là, le bouche, elle est trop petite. Tu vois, elle est plus pour mettre de l'engrais. Tu vois. Genre, il faudrait vraiment qu'on trouve des remorques. Après, si t'as des mods, n'hésite pas à les mettre. Hein. On pourra toujours revendre et. Pff, on s'en fout, ça, franchement. Hein. Voilà. Donc, le tracteur, la remorque, c'est fait. La moissonneuse. Alors, est-ce que j'ai mis le follow me sur le serveur, mec? Ah, ça, je ne sais pas. Si j'ai pas mis, par contre, faudra que je pense à la mettre. Alors, du coup, moi, j'en. J'ai pas envie de prendre Claz. Je vais être honnête avec toi. Claz, j'en peux plus de l'avoir. Tu vois, j'y joue tout le temps avec. Bon, moi, j'ai pris classe, on va dire, pour la barre de coupe très fonctionnelle dessus, là. Ouais. Qu'on puisse bah, la replier, c'est plus facile pour Ah ouais, passer un peu partout. tu peux le faire avec n'importe quelle marque. Moi, je serais plus tenté, tu vois, je sais pas pourquoi. Tu vois, je la regarde depuis tout à l'heure. Il y a la Massey, je joue pas souvent avec, c'est pas ma préférée, mais par contre il y a la T560, tu vois. Genre, sa cuve fait combien? 10 000 litres, et genre, la Tucano fait combien? 11 000 litres quand même. Ouais, j'ai envie de prendre la T6. Par contre, le prix est pas le même. Hein. Ah ouais, non, ah ouais, c'est moins cher. Ah ouais, je vais prendre la T6, je vais prendre celle-là. configuration des roues, je vais laisser comme ça, je pourrais toujours changer plus tard. Je vais acheter, oui. Et je vais faire comme toi, moi ça va être barre de coupe repliable. Barre de coupe repliable. T'as pris en combien toi? 7. J'ai pris la deuxième. Ouais, 6,60 m, hein, c'est ce que je me dis aussi, Ouais, pas ouais. très grand, quoi. Ouais. Voilà. Voilà. Ça me semblait bien. Ouais, par contre, ça va pas m'arranger parce que le tournesol, genre la barre de coupe de tournesol, ben. Je l'ai pas, je vais être obligé d'aller chercher. J'espère qu'on a le follow me parce que sinon ça va m'embêter. Et je pense que en tracteur de tête, je vais checker. J'ai ce Fendt qui est vraiment magnifique. Je sais pas si tu l'as vu. Un Fendt 700 avec la possibilité d'avoir deux capots différents. Tu vois. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe. Attends. Si vous voulez, je vais personnaliser. Voilà. Soit les nouveaux styles de capot ou soit. Ou soit les anciens. Donc vraiment chouette celui-là. Mais par contre son prix est 183 000 pour un total. Je monte à combien de chevaux? Oh le mec il a fait tous les modèles quoi. Donc je suis en 728. 297 chevaux quand même. Hein. Ah ouais, quand même. 297 chevaux, ou alors je fais le choix d'essayer de me taper un petit T7 que j'aime bien. Moi, je veux le pot d'échappement avec le clapet. Et on va prendre une petite benne. Et en benne, ben, je crois qu'on va partir aussi sur. Ouais, mais je crois que je vais partir sur celui-là, moi. Je vais voir comment il. Ah, après il y a celle-là aussi. Ah oui. Ah oui. Oh là là. Ah oui, il est carrément bien chaussé, mec. Ah ouais, j'étais pas prêt, mec. J'étais pas prêt. Ah, j'étais vraiment pas prêt là.
Ouais, en usé, il est vraiment pas beau. Ouais, je vais partir sur du standard. Nouveau capot ou ancien capot? Nouveau capot. Hein. Personnalisé, c'est quoi? Ah, De Giro. Ah, oui, bien sûr, De Giro, mec. Par contre, il a mis trop de variations. Avec Bibendum ou sans Bibendum? Sans Bibendum. Et bien sûr, pas de fourche. Et ça sera mon tracteur de tête pour le moment. Qui fait un total de 297 chevaux. C'est pas mal. Oh, ça va. Oui, carrément. Voilà. Je pense que j'ai assez acheté assez de trucs. Même si, voilà, tu vois, il me reste des sous, tu vois. Genre, il me reste du pognon, quoi. Il me reste combien? Il me reste 1 million 4. 1 million 4, 1 million 4. Ici. Ah, je sais ce que je vais acheter. Moi, je vais m'acheter un véhicule direct. Ah, mais il est pas là? Dans divers. Non, il est où? What the fuck? Attends mec, t'aurais pas vu un Fiat Ducato là? Bah. T'es vrai que tu m'entends? Ouais, mais non, j'ai pas fait gaffe. Attends, je vais regarder. Normalement tu fais un Fiat dessus, mais peut-être que le serveur je l'ai pas activé. Dans voiture, il y a le Mercedes. Ouais, mais le Mercedes, c'est bon, on l'a montré en live l'autre jour. Normalement, j'ai un petit Ducato là où je peux ouvrir les portes et tout. Et genre. Mais non, je croyais qu'il était dans divers. Non. Ben, dans divers, il y a pas, je pense pas que qu'il soit tout. Un camion? Ah, non. Dans petit tracteur, je l'ai pas vu non plus. Là, ah, il est là. Et dans quoi? Dans M à côté du tracteur. Ah ouais. I 64 000, eh. De quoi? Il coûte 64 000. Ah ouais, mais c'est comme ça dans la vraie vie, mec. Allez, tu vas voir qu'il va m'aider. Tu vas comprendre pourquoi. Il est full option, j'espère, hein. Non, c'est pas pour ça. Non, ouais, c'est vrai. Et combien il coûtait le 4x4 d'origine du jeu? Parce que ça m'aurait peut-être coûté moins cher. 30 000, je crois. 45 000, mec. Et l'autre, il est pété, le Mercedes, il a 29 000. Attends. Alors qu'il y a tout dedans, mec. Il y a Original Team, il y a tout, tout, tout. C'est pas normal, ça. D'ailleurs, je sais même pas si on devrait le laisser sur le serveur. L'autre jour, on a eu des problèmes avec. Voilà. Ce que je vais faire, je vais aller au magasin. Ah ouais! Par contre, ce magasin, mec. Ah, elle est tout petit. Ah, mais du coup, mes outils sont partis de l'autre côté et tout. Oh là là. Ah ouais, mais tu vois, ça c'est nul parce que, genre. Bah, ta barre de coupe pour toi l'attacher, c'est le bordel, quoi. Bah ouais. Tu peux monter dans mon camion? Oui. Et ben en fait mon camion je vais mettre les trucs pour les. Tu sais les. Comment on appelle ça? Les. Le miel. Pour aller vendre et Ah pour aller. Tu vois? ouais. Ah ouais. Je pense qu'on peut mettre dedans. Hein. Si on peut pas, bah voilà quoi. Mais. Voilà, je vais être grave emmerdé mec. Hein. Je suis obligé de faire un truc qui est pas RP. Mais plutôt que de faire un truc qui est pas trop RP, on va se mettre en force machin, non? Ah, je peux pas moi. Tu peux toi? Mais ah attends, je peux Ouais, peut-être pas non plus. je suis en mode. Tu sais, pour prendre des photos. Oui, attends, ça se trouve dans quoi le truc force là? Force surhumaine, c'est où ça? C'est avec le fonce, hein. Elle fonce? Ouais. Elle fonce. Et c'est le Dans le troisième, tu. super truc. Ouais. Super strong, super fort. Ah, attends. T'oublies pas d'attacher les carlans et tout cette fois. Quel salopard. Hop là. Parfait, merci. Non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, je peux. Hein. Hop là. Ah, par contre, celui-là, tu vois, j'avais pas eu besoin de descendre. Mais je crois que tu dois descendre pour les carlans, hein. Oui, tu dois attacher les cardans et tout ça dessus. Bon, moi j'ai pris une toute petite le bouche. En benne. Ah oui, c'est celle pour l'engrais. Bah écoute, moi elle va se servir pour mettre du blé dedans. Alors, vas-y, on va voir si le follow me mis, hein, s'il est pas mis. Zut quoi, mais s'il est pas mis, c'est pas grave, je le mets vite fait sur le serveur après, non? Ouais. Après la vidéo, tranquillement, je mettrai ça.
Par contre, ouais, hyper petit son magasin. Jamais je tourne là. Hein. Non, c'est pas quelque chose que j'oublie sur les serveurs, ça, mais on sait jamais. Non, il n'y a pas. Ah si, CTRL F, c'est bon. Mec, il y a. Ah bah c'est bon ça. Je laisse le fen là en l'entendant, parce que le fen va me servir à... Ouais. Parce que j'aurais sûrement des outils à acheter. Vas-y, je laisse là. Le du gâteau, je laisse là aussi. Par contre, j'ai oublié de regarder par où c'était chez moi. Ah ouais, tu passes par là pour venir... Ah, c'est plus court par le bas pour chez toi. Ah ouais, mais tu passes vers chez moi, c'est cool. C'est sympa de te voir passer chez moi. Bah ouais, moi je passe tout le temps par là. Moi. D'accord. Et je pourrais même passer devant ta ferme, je pense. Je vais essayer de bloquer celui-là. Voilà. Ouais. J'ai fait exprès, c'est le temps que le... Que le 1455 sorte parce que sinon il se serait bloqué avec le follow me. Voilà. Dites-vous que j'ai fait exprès. Ah ben moi ils me rentrent dedans et tout hein, les mecs. Ah ouais. Alors par contre j'ai pas. C'était un peu bizarre de commencer avec 2,5 millions quand même. Attends, je conduis super mal là. Ben normalement c'est 1,250,000 je pense. Est-ce que t'as essayé de regarder en vue extérieure Est-ce que t'as essayé de regarder derrière toi? Regarde le mode que j'ai ajouté. Ah oui, le 180. Ouais, t'as vu, il est sympa. Ben, c'est hein bien ça. Ça c'est bien ça. Ouais, il est sympa. C'est un petit mode assez sympathique, j'aime bien. Surtout que moi j'ai j'ai la vue sur le joystick. Ouais. Et en fait avec mon joystick, ben tu sais des fois si j'avais pas mis de comment ça s'appelle de zone morte. Ouais d'accord ouais. J'ai un peu le même problème que toi. C'est ça va tourner tout le temps en fait. Mais oui. Je vois ce que tu veux dire. Et passe même dans... Ben non, merde, je rentre dans ta ferme, là. Ouais, il fallait que tu continues tout droit là où j'étais. Et les routes sont étroites, hein. Oh là là. Croisons que je suis un pilote. Comment il va rentrer là lui? Oh putain il gère. Ah non j'ai rien dit. Il gérait. L'ouvrier est bloqué, hein. J'ai vu. Bah, du coup celle-là je vais juste la poser là, 2 minutes. Voilà. Par contre t'as vu les emplacements sont pas mal. Faut maîtriser un petit peu la conduite, tu vois. Genre moi mais... j'étais plus occupé à regarder à droite et à gauche, tu vois. Parce que tu vois, je suis tellement habitué. Enfin, et tu vois, je me dis, ouais, voilà, je roule ma poule, quoi, tu vois. J'ai l'impression d'être dans mon tracteur, je regarde à droite et à gauche ce qui se passe chez mon voisin. Mais du coup, tu vois que les cordes ferment et tout, faut quand même être. Faut quand même faire attention à ce que tu fais, en fait. Si tu veux jouer bien, quoi. Un minimum concentré. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'avoue. Ouais, et puis t'as pas beaucoup de place pour les gros outils, hein. Wow. Moi qui arrive là avec ma grosse benne et tout, mon gars. Ils étaient pas au prix. Ok, celui-là, je vais le mettre là. Et ce que je vais faire, pendant que je suis avec vous, je vais mettre en route. Je vais commencer à acheter, parce que j'ai encore des sous. Il faut que je sois intelligent. Ce que j'aimerais bien faire, c'est acheter de quoi commencer à nous nourrir. Nourrir. Commencer à nous projeter un petit peu dans l'avenir, et donc du coup le mieux serait de commencer à placer le miel là. Alors attends, est-ce que là il est dans quel sens? Ah ouais, il souffle comme ça, ok. Le truc c'est comment je vais aller dans ce champ là après moi? Attends. Eh mais c'est pareil, j'ai acheté ici, mais le problème c'est que ce champ là va rien me servir mec. L'entrée, bah, l'entrée va me casser les couilles. Genre je peux pas enlever les barrières, on est d'accord. Ou alors il faut aller sur le Giant. Ouais. Bah du coup elle est où l'entrée alors?
Ah non, c'est un prêt à vache. Donc du coup, ça considérait pour les vaches en fait. Attends. Eh mais il n'y a pas d'entrée dans le champ là? C'est chelou. Ah si, là. Ah bah si, parfait. En train de penser à quelque chose. Ok. On n'a pas de silo en fait. De stockage? Ouais. Bah non, ça va être à toi de les placer, je pense. Non? Ouais. Bah Putain. écoute, je pense que ouais. Comment tu fais pour les tourner déjà? Oh mince, je suis obligé de faire F1. Mais écoute, moi Faire je vais pivoter. voir. Je vais voir pour installer un silo. Voilà. Oh là, ça fait du. Oh là là, ça déforme le terrain, mec. J'espère qu'ils sont pas dans les airs. Ah non, ça va. Ça a pas fait trop de trous là. Ah, il y a un ou deux dans les airs, ça va encore. Pivoter. Nickel. Ok, donc déjà ça, c'est mis en place. Ensuite, pour que ça marche, bah, il faut autre chose. Ce qui est tout à fait logique. Il faudra ça pour les vendre, ce que m'avait dit Matt. Mais ils sont où les trucs? Eh mais mec, il manque des trucs en fait dans le global. Genre il manque les tables et tout pour le miel. Oh. Bah ouais, je les ai pas vus, tu les as vus toi? Non. Attends. Ça sèche et tout déjà, je me rappelle plus. Ah oui, celle-là. J'ai eu peur. C'est en production. Ah ouais, ok. Donc ça, il va falloir en acheter. Les abeilles, les pots de miel, le truc. Ça c'est pour... ça, il faut ça et il faut ça. Donc, vous mettez ça, plus ça dans dans les ruches. C'est pour faire des ruches. Ça va avec ça. Et ça va avec ça. Ça, vous, après, vous le reprenez, vous le mettez là-dedans. Et il faudra un seau. Donc, si on fait que... déjà, je vais acheter le seau déjà. Ah oui, ça c'est pour les œufs. Ok, donc déjà je vais m'acheter un seau. Oui, ok. Ensuite, je vais m'acheter ça. Je sais pas combien il en faut, mec. Je crois que c'est 14 par truc. C'est 40 balles par machin. Ah ouais, ça va partir vite mon argent. Normalement, dans tout ira dans le camion, j'espère. De toute façon, je referai un tour au pire. Je suis pas obligé de tout faire le premier jour. Hein. Et donc, il me faut 4 par ruche. Ça, je sais. J'ai aidé quelqu'un à voir comment ça marchait hier. Ok. Et après, le reste, on achètera tranquillement. Je vais aller dans le camion. Je vais me télépé. Toi, t'es déjà au boulot, je suppose? Ouais, j'ai mis un ouvrier et là j'essaye de de mettre un silo quoi. D'accord. T'as de la place? C'est le problème. Ah regarde, je suis à 2 km/h pour faire la marche arrière et d'un coup il part comme une fusée. C'est chiant ça. Hein, il refait le même truc. Ah ouais, mais je vois pas ce que je fais. Tant pis, hein, j'ai placé un silo là. Des cartons d'abord. Mais je pense que ça va être super contraignant pour moi de tourner. Mais on verra bien, c'est pas grave. Ah, tu rentres en collision et la boîte, c'est chiant quand même. Hop là. Au moins, tu vois, le camion il avait une utilité, tu vois, peut-être qu'il coûtait cher, mais au moins pour venir chercher les trucs et tout, je vais pas me galérer, tu vois. Hop là. Oh, j'ai hâte de remettre mon point tout à l'heure. Hop là!
Oh bah c'est un bon petit début, j'aime bien. Préparation, c'est toujours long, hein. D'habitude, on prépare les parties avant de les commencer, avant de dire bonjour à tous. Pour une fois, on commence. Moi, j'ai commencé direct, de zéro. Ouais, c'est bien aussi des fois de montrer. Ouais. Toi, t'avais commencé à acheter un truc ou deux, mais voilà quoi. Puis de temps en temps, on passera chez toi et on verra ce que tu fais. Ou bien on fait le bilan à chaque fois, de temps en temps, on fait un bilan ensemble. Parce que je sais que toi, tu vas avancer en live. Moi, je vais avancer aussi, mais le problème, c'est que j'ai plein de séries en cours, donc du coup, tu vois, je serai peut-être moins présent. Mais je serai là. Ça, c'est sûr. Parce que de toute façon, il faut que je me remette à farming. Hein. J'ai complètement. Bon, honnêtement, t'as vu, je suis paumé. Hein. Je suis paumé. Hein. Pour des joueurs comme nous, pour des joueurs comme nous paumés, franchement, les gens, ils en revenaient pas hein, sur Twitch. Hein. Qu'on soit aussi paumé sur farming. Bah, si, moi, mec, j'ai. Il y a certains trucs, je te jure, que je sais même plus. Non, mais moi, je confonds le 17, moi. En fait, je vais même t'expliquer, et je te l'ai dit, t'as même rigolé. Le jour où je devais passer la charrue, je savais même plus dans quel sens il fallait que je la mette, tu vois, oui. À ce point-là. Ouais, là, non, ouais, là. Non, moi, je confonds beaucoup avec le 17. Beaucoup de touches avec le 17, ou beaucoup de fonctionnalités avec le 17. Genre, quand on parle d'usure. Tu sais, où ça l'usure devient, où il n'y a plus de peinture et tout. Je dis, mais qu'est-ce que vous racontez? Ou alors, t'as plus de frais sur les véhicules maintenant. Tu sais, avant, t'avais des frais journaliers sur chaque véhicule. Ouais. Ça y a plus. Tu vois, moi, c'est plein de petites fonctionnalités comme ça qui me perturbent parce que j'ai pas assez joué au 19, quoi. Si j'ai joué 200 heures au début quand il est sorti, tu sais, avec Guigui et Tu m'agris, mais c'est tout. Après, je suis parti sur tellement d'autres jeux, tu vois, Last Oasis, Atlas, Ark, machin. Moi, j'ai complètement oublié Farming, tu vois. Genre, de toute façon, je voulais pas en entendre trop parler. Ouais. Quand tu sors un jeu et que le volant il marche pas et tout, bah du coup, ça dégoûte quoi. Ouais, non, ça. Ah, tu te souviens, on était tous retournés avec nos manettes là parce que les volants fonctionnaient pas quoi. On avait l'air malin. On poussait mémé dans les orties. Non, voilà, ouais. Et là, ça va mieux. Ce qui est dommage, c'est les maps. Ça, c'est dommage. Ça, honnêtement. Hein. Ce qu'on a de map française. Oui. Et voilà, et tu vois, il s'attache dedans. Bon, j'ai pas rangé, c'est tout en bordel, les gens, mais voilà, c'est cool, quoi. J'aurais peut-être même pu acheter les tables, hein, finalement. Hein. Je pense qu'on va. Tiens, on va voir si on peut les. Tiens, vas-y, acheter. Ok. Et je vais voir si je peux mettre. Vas-y, on sait jamais. Hein. Ok, et du coup, il me faudrait des pots comme ça. Ah, ça, il m'en faut plein, je pense, non? Parce que c'est ceux-là que je dois aller livrer à chaque fois. Et du coup, le magasin, je sais pas où on va le mettre, mais on va le mettre au milieu de nous deux. Tu sais, parce que c'est un magasin qui vend tant tous les heures, mais c'est pour tout le monde en fait. Donc je vais pas le mettre chez moi, tu vois. Tu vois ce que ça veut dire? Bah, on trouve un champ et on le tape dessus ou un truc ainsi. Ouais, on crée une ferme et on mettra le truc de vente là. Et puis, je crois pas que j'arriverai à mettre les. Attends, déménageurs bretons, les gens. Je repère la moitié sur la route, j'aurais l'air malin. Ah ouais, non, ça rentre pas. Il est tombé sur le toit, putain. Nique-toi. Peut-être celui-là. Ah, oh, il rentre pas dans le camion. T'aurais. C'est pas toi qui a une petite remorque là? Si, là, le bouche. Ouais, tu crois qu'il rentrerait dedans? Je peux venir avec, ouais. Ouais, mais je crois que si on peut pas attacher, ça va pas foutre la merde. Ah ouais, il risque de passer à travers, non? Voilà, ou alors il faudra aller doucement, il y a deux objets là que je peux pas transporter dans le camion. Écoute, j'arrive. Y a pas de chariot hein, sur le serveur. Non. Okay. Bon. Bah, je vais faire ça. Voilà, c'est bon. Les gens, on vous laisse là-dessus. On vous dit à la prochaine. Ciao tout le monde. Salut.